Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait beau, on en profite, et j'ai été faire une petite balade sur l'esplanade de la Défense. Ensoleillé, moderne, sympa. Aujourd'hui, on parle ambition. De trouver un petit coin plus à l'ombre pour pouvoir parler et surtout avoir une meilleure lumière pour pouvoir filmer. Il y a un petit peu beaucoup de monde, c'est pas facile de parler quand il y a beaucoup de monde comme ça autour de moi, et on va tenter le coup quand même. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo précédente. Je vous remercie justement pour vos retours. Je connaissais pas mal d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des histoires un petit peu plus détaillées avec vraiment les problèmes qui sont importants pour vous, justement, pour la reprise du travail. Ça me permet de vraiment cibler le type de travail qui pourrait être vraiment adapté à nous. Je dis bien à nous en général, un travail qui pourrait s'adapter à notre temps. Et donc pouvoir travailler une heure par jour, s'il faut travailler une heure par jour, une demi-heure, trois heures si on peut. Un travail assez malléable finalement. Et vraiment, j'ai une piste très intéressante, puisque l'idée pour moi, c'est de vous proposer une direction internet, c'est-à-dire de trouver un travail internet. Pas n'importe lequel, parce que j'ai encore une fois une idée précise de ce que je voudrais vous proposer et qui, encore une fois, s'adapterait à tous. Certains voudraient travailler pour avoir un revenu principal, donc un travail principal qui serait rémunérateur et qui permettrait de vivre. Et d'autres, un travail secondaire qui permettrait d'avoir un revenu complémentaire. Et tout cela est tout à fait faisable et plausible avec le type de travail que je souhaite vous proposer. Alors encore une fois, c'est une étude que je fais moi personnellement par rapport à ce qui se fait autour de moi, par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut adapter à notre situation. Et je vais tenter de faire, pas une formation, mais en tout cas un guide qui permettrait à tous de pouvoir s'appuyer sur ce guide pour pouvoir adapter son travail à soi. Donc ça, c'est mon objectif, si vous voulez. Ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui, eh bien, c'est déjà de penser à ce qui vous plairait. Vous qui avez envie justement de travailler, vous qui avez envie d'avoir un métier qui vous soit plaisant, c'est très important de prendre du plaisir dans son travail, et c'est vrai que ce n'est pas la majorité des cas en général. Deux, qui soit rémunérateur tant qu'à faire, et qui soit surtout adapté évidemment à votre état de santé. Donc ça, c'est trois points hyper importants que je voudrais mettre en avant pour ce type de travail. Et pour ça, il faut d'abord, vous de votre côté, déjà penser à vos compétences, penser à ce que vous aimez faire, très important, si vous avez une passion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous travaillez dans le domaine d'une passion, eh bien déjà, vous prenez du plaisir à travailler, mais vous connaissez déjà énormément de choses sur ce métier. Donc vous avez déjà des compétences qui sont acquises et que vous allez pouvoir développer et partager. Donc ça, c'est la base. Donc prenez un papier, un crayon, notez tout ce que vous aimez, très très important, tout ce qui vous plaît, imaginez quelque chose sur lequel vous pourrez parler pendant des heures ou écrire pendant des heures, enfin, il y a tout un tas de choses à faire autour de ça. En tout cas, première étape, je dirais, prenez un papier, un crayon, notez vraiment ce qui vous plairait de faire et pensez aux compétences que vous pourriez avoir autour de cela. Ensuite, on reviendra là-dessus et je vous donnerai plein de clés pour pouvoir évoluer dans ce domaine. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir répondu et de m'avoir donné justement votre sentiment. Ce que je vais vous proposer, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de sortir du carcan traditionnel. C'est-à-dire que ça ne sera plus un travail comme les autres choses, ça sera une autre façon de travailler, adaptée à nous et adaptée finalement à l'air du temps, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous serez dans le vent, vous ferez un truc qui vous plaît et qui va vous permettre de gagner votre vie. C'est plutôt sympa. Donc voilà, un nouveau métier se précise devant vous bientôt. Donc j'espère en tout cas que ça vous conviendra. Ce qui est intéressant en tout cas avec ce que j'envisage, c'est que c'est vraiment adaptable à tous. Si on a envie de travailler ou si on ne peut travailler qu'une demi-heure, une heure,
deux heures par jour, eh bien ça peut se faire. On peut adapter le travail. On va pouvoir trouver des techniques qui vont permettre d'automatiser des choses, par exemple. On a des techniques aussi qui vous permettront de trouver un rythme de travail avec des petites habitudes à prendre. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à mettre en place qu'on peut adapter véritablement à notre situation. On ne sera plus emprisonné des orientations traditionnelles. Alors évidemment, il va falloir travailler, hein, ça ne se fera pas tout seul. Mais voilà, j'envisage justement un métier nouveau finalement. Et bon, j'espère que ça vous conviendra en tout cas. Pensez à tout ça, hein, mettez bien ça en place dans votre tête, notez bien vos passions, etc., ce qui vous plairait de faire, avec les compétences que vous avez, etc. Ça, c'est une première base qui est importante à mettre en place pour la suite, évidemment, des événements. Je vous embrasse, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de profiter de la vie, très très important. Et tout ça, ça servira à profiter de la vie. Alors, à bientôt, à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.